Fracture de clavicule, on les traite soit orthopédiquement, soit chirurgicalement, quand la déformation est importante ou chez des chirurgiens jeunes et actifs. Pour les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus, ça touche généralement les sujets un peu plus âgés, avec différents types de fractures, des fractures qui seront potentiellement réparables et fixables en réduisant la fracture et en la fixant avec des plaques, ce qui permettra de garder l'épaule naturelle en l'ayant reconstruite anatomiquement. Et puis après, on peut avoir des fractures plus complexes qui touchent en particulier le cartilage aussi de la tête humérale, dont on sait que la fixation risque de ne pas marcher. Et dans ce cas-là, après analyse du type de fracture, de l'âge, etc., on peut être amené à mettre une prothèse d'épaule d'emblée dans certains types de fractures.